Cassiano, il est en fin de retour. Il est revenu, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, assieds-toi. Assieds-toi, papa. Viens. Tu as de nouveau ces visions. Respire fort. Respire, papa. Je vais appeler maman pour qu'elle t'apporte ton médicament. D'accord? Respire bien. Maman! Maman! Maman, rentre tout de suite, c'est papa. Ah, bon sang, qu'est-ce qu'il a encore, mon Samuel? Comme d'habitude, quand il entend le moteur d'un avion. Esther! C'est l'avion de ton copain, tu sais? Oui, bien sûr que je le sais. C'est mon Cassiano d'amour. Allez, calme-toi, ma petite piquette, calme-toi, d'accord? Pas de panique. C'est quand même un comble qu'un si petit bruit dans le ciel provoque une panique pareille sur la Terre. Samuel, Samuel, calme-toi, mon amour, calme-toi, calme-toi. Bois ça. Je sais qu'ils vont attaquer de nouveau. Non, non, non. Avec des bombes. Non, mon amour, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est Cassiano. Ah. Hein? C'est Cassiano. Alberto, tu trouves que ce sont des façons de se présenter? Tu es en train de ruiner le tapis que ta grand-mère adorait tant. Pardon, grand-mère. Je croyais que l'affaire était urgente, c'est pour ça que je suis venu comme ça. Je n'allais pas te faire attendre. Ah, tu ne me laisseras jamais tomber, c'est pas vrai, Alberto. Je le sais. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi, quoi qu'il arrive. De la même manière que toute ta vie, tu as systématiquement pu compter sur moi. Mais... cette affaire est urgente, en effet, mon garçon. Oui, extrêmement urgente. Ce sont les résultats des examens médicaux qu'on m'a fait à Noël. Et alors, il y a un problème? C'est grave, grand-père? Tu savais, Alberto, que les éléphants savent quand ils vont mourir. Et quand arrive cette heure-là, ils se séparent alors du troupeau et se réfugient dans un endroit désert. Je crois que pour moi, le moment est venu de me séparer du troupeau d'éléphants, tu vois? Ne dis pas ça, grand-père. Il te reste de longues années à vivre. J'ai obtenu dans ma vie tout ce que je désirais. Et crois-moi, ce n'est pas la mort qui arrivera à me vaincre. D'une certaine façon, Alberto, moi, je serai immortel. Parce que quelqu'un me survivra. Ce sera toi. C'est pour ça que j'ai investi dans ton éducation. Parce que je savais que quand l'heure arriverait, tu pourrais assumer les entreprises. Et tu vois, cette heure est arrivée, mon cher Alberto. Grand-père. Et grâce à toi, je vais partir en toute sérénité parce que je sais qu'un jeune homme assurera la continuité de ce que j'ai construit. Un jeune homme qui, depuis tout petit, a fait ses preuves. Un jeune homme qui est né pour être leader. De tous, Alberto, de tous les membres de cette belle famille. Tu es le seul et l'unique qui ne m'a jamais déçu. Au contraire de ton imbécile de père, qu'il repose en paix. J'aimerais beaucoup continuer à ne pas te décevoir, grand-père. Mais là, non. Il faut que tu comprennes ma vie. La vie que je désire, moi, est ailleurs, grand-père. Tu m'as parlé de mon père. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Lui, au moins, il savait vivre, mon père. Un incapable. Un incapable, voilà ce que c'était. Un irresponsable qui passait son temps à boire du champagne et qui a traversé cette vie sans jamais rien construire du tout. Tout ce qu'il a fait, c'est dilapider de grosses sommes d'argent, de mon argent en plus.
dans des yachts, des voyages, d'énormes fêtes tape à l'œil. Oh non, s'il te plaît, ne me dis pas, Alberto, que c'est ce genre de vie que tu comptes avoir, éternellement quand même. Écoute, grand-père, je crois que... Tu as déjà vécu tes années de playboy et je ne t'en ai jamais empêché, n'est-ce pas? Parce que tu es un homme, parce que ton âge voulait ça. Et également parce que tu avais l'argent pour le faire. Moi, j'étais ici et je m'occupais bien de nos affaires. Mais maintenant... Il est temps pour toi de prendre les commandes et d'assumer le poste qui te revient à la présidence du groupe Albuquerque. Grand-père, je ne veux pas. Alberto, je n'en ai plus pour longtemps. Alors engage un administrateur, je ne sais pas, pour diriger les entreprises. Oui, un quidam qui ne ferait pas partie de la famille et qui gagnerait un salaire de millionnaire pour s'occuper de ce qui est à nous. Un professionnel bardé de diplôme sorti de Harvard et prêt à donner sa chemise pour le groupe Albuquerque, ce qui n'est sûrement pas mon cas. Je te jure, grand-père, tu en serais Alberto, beaucoup plus satisfait. C'est comme ça que tu me remercies de tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vas me tourner le dos comme ça, au moment où j'ai le plus besoin de toi. Grand-père, je t'aime plus que tout, ça tu peux me croire. Mais ne me demande pas de choisir ta vie. Tu veux que je reste dans ce trou pour m'occuper de ta compagnie? Ma vie à moi, elle est en ville, c'est là que je veux respirer, tu comprends? Cet endroit, cette maison, c'est juste pour me relaxer. Je ne fais qu'y passer. Grand-père... Si tu m'aimes comme tu as l'air de le dire, s'il te plaît, ne me retiens pas ici. Excuse-moi. Excuse-moi si je tiens ça de mon père. Mais moi aussi, je suis né pour la bringue et surtout pas pour les affaires. S'il te plaît, Alberto, je t'en supplie, évite-moi ta psychologie de comptoir. Certains appellent ça de la sagesse divine. Des excuses de fils à papa, qui n'a d'autres préoccupations dans la vie que de faire la fête et encore plus la fête. En parlant de ça, mes invités sont tous là dehors et ils m'attendent. Alors à plus tard, et relaxe-toi. Relaxe-toi, tu es solide, tu es en forme, tu vas trouver une solution pour ton problème. Quoi mon problème? Quoi mon problème? Comment ça va? Cassiano, c'était quoi ce truc? T'es de plus en plus timbré, mon pauvre. C'était quoi ce vol en rase-motte? On se calme, les mecs. Est-ce que l'un de vous a cessé de me suivre? Non. Le meilleur, ce n'est pas celui qui commande l'escadron. Nous le sommes tous. Eh ben, moi ça, non je l'oublierai pas. Ouais. Tu pourras plus jamais revenir sur ce que t'as dit, Cassiano. Non, bien sûr que non. Tu m'as manqué, mon amour. Ah, j'en pouvais plus de t'atteindre. Mmh. On y va? Ah, qu'est-ce que tu fais, beau gosse? Le pilote, c'est moi. C'est d'accord. J'avais un poids sur la poitrine sans toi. Oh, je t'aime trop pour ne t'avoir que de temps en temps, Cassiano. C'est mon travail, mon amour. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que je me sens vraiment moche quand tu n'es pas là. Toi, moche? Tu es la plus belle de toutes. Elle est dona de sept collines. Viens par là. Viens là. Comme ça? Oui. Comme ça. Feminina, muito mais que linda. Qui est-ce qui fait un vacarme pareil? C'est le bateau de Beto. Tiens, d'ailleurs, je le vois là-bas. Est-ce que tu le vois? Oui, il semble qu'il a enfin décidé de montrer son nez. Tous les deux ans, minimum. On va le voir? Mmh.
Arrête! Comment ça va, Cassiano? Est-ce que tout va bien? Ouais, la salut Esther, tout va bien? Allez vous amuser. Ça va, mec? Tout va bien. Je le crois pas. Comment ça va? Attention tout le monde, attention, attention. Voici le couple qui forme avec moi le trio le plus incroyable de cette plage et que je n'ai pas vu depuis un bail, non. Le beau gosse, c'est Cassiano, et la petite Esther qui était toute maigre et qui maintient ce qu'il faut là où il faut, ça Esther suffit. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui l'aurait cru, mon pote? Il y a pas longtemps, je me suis réveillé avec la gueule de bois, je me prenais un thé de bol d'eau pour m'aider à passer le cap, je jette un coup d'œil au journal et je vois la photo de qui en pleine page? De mon meilleur ami d'enfance. Tu as fait un vol de je ne sais où vers je ne sais où pour transporter un cœur pour une greffe. Je me rappelle même du titre qui disait « Monsieur Cassiano Suarez, spécialisé dans les vols à haut risque, sauve la vie d'une petite fille de 4 ans à peine. » Je me suis dit, lui, il s'est trouvé et il a réalisé son rêve de môme de devenir pilote. C'est fantastique, mon pote. Félicitations. Je n'ai fait que mon travail, Beto. Nous aussi, nous t'avons vu dans les journaux, Beto. Le titre était différent. C'était Alberto Albuquerque et sa toute nouvelle compagne. Chacun sa spécialité. Autant l'un de nous sauve des vies, autant l'autre brise des cœurs. Comment est-ce que tu fais pour arriver à supporter cette vie de débauche, Beto? Je veux dire, 365 jours par an. Tu ne serais pas jalouse, ma petite Esther? Maintenant, je vois pourquoi tu n'as pas voulu te marier avec moi. Non, on ne m'a pas laissé me marier avec toi parce que j'avais 5 ans, Beto. Mais là, on va la laisser faire et elle va se marier avec moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as, Beto? Ça te surprend? Une bataille de plus que je perds contre toi. Mais c'est fantastique de voir des gens qui s'aiment. Moi, j'ai complètement sauté cette partie. Comment c'est de tomber amoureux? C'est quoi cette question? Ça se ressent. Moi et Esther, par exemple, c'est très simple. Tu sais que tu aimes quelqu'un quand tout ce qui te paraissait difficile devient facile quand cette personne est à tes côtés. Dans ce cas, moi, je ne tomberai jamais amoureux. Ah, c'est bon, le séducteur ici, c'est moi. Si vous n'arrêtez pas, je vais devoir vous séparer. J'ai une réputation à défendre. Ah, attendez, moi aussi j'ai une réputation à défendre. Je suis la seule femme qui gagne contre deux hommes dans la course jusqu'à la plage. C'est ce que nous allons voir. J'en serais pas si sûr. Seu estilo discreto e elegante se transforma em no carnaval. É cigana, boneca gigante, sensual. Quantos becos, esquinas, ladeiras. Quantas ruas a se percorrer? Nós brincamos até quarta-feira. Note-le, mon amour. Une autre bataille qu'il perd contre moi. Bon, vous allez me lâcher? On a survécu au voyage. Oui, presque. Je t'avais dit de ne pas la mettre au défi, hein. Bon, alors, est-ce qu'on entre? Ah non, mon amour, je veux pas que ta mère me voie comme ça. Je ressemble à rien. Je me change et je reviens, d'accord? Bon, d'accord. Salut tout le monde! Mon petit Beto. Mon petit Beto, s'il te plaît, maman, regarde sa taille. Ah, pour moi, il pourra grandir autant qu'il voudra, il sera toujours petit. D'ailleurs, mon petit Beto, tu nous as drôlement manqué par ici. Vous aussi. Vous aussi, vous m'avez manqué, Madame Suarez, et tout particulièrement vos petits plats, vous savez. Eh bien, dans ce cas, Beto, tu vas rester manger avec nous ce soir. Dans peu de temps, Chico rentrera de la mine de sel. Oh, Madame Suarez, j'aimerais beaucoup, mais je crois que je ne suis pas habillée de manière appropriée pour un repas de famille. Si ça ne tient qu'à ça, je te prête des fringues, hein, maman? Reste. Seulement si tu mets ton uniforme de lieutenant. Ah, d'accord. Viens là, viens là, allons-y. Au fait, Alberto, je n'ai pas beaucoup de choix dans mes tenues. J'utilise tellement l'uniforme militaire, tu sais. Mais je crois que j'ai quelque chose qui va pouvoir t'aller. Je pense que ce bermuda et cette chemise seront parfaits pour toi. Beto. Hein? Hey. Pardon.
Dis-moi, elles sont géniales, ces photos de vous. Ce sont les photos de la cérémonie quand je suis devenu cadet. Monsieur Schneider ne voulait surtout pas qu'elle y aille toute seule. Mon père a dû lui donner toutes les garanties qu'elle reviendrait intacte à la maison. Écoute, dis-moi, toi là-bas à l'académie, et elle ici, libre comme l'air et belle comme le jour sur la plage de Villa de los Vientos, moi je n'aurais pas supporté. Oh, tu peux me croire, j'ai presque craqué. Je ne cessais d'imaginer ces riches touristes sous le charme d'Esther. J'ai failli revenir. Mais elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle allait m'attendre, et elle m'a attendu. Je pensais que votre relation à tous les deux, c'était juste, je ne sais pas, moi, une simple histoire de vacances. Ah, c'est plus que ça, Beto. Je crois qu'Esther est la femme de ma vie, tu vois. Je n'ai jamais entendu un de mes potes me dire ça. Félicitations. Bon, dans ce cas, mets vite ses vêtements et nous allons manger parce que j'ai la dalle. Hein? Je nage un peu dedans. Alors ça. Parce que l'ancien propriétaire était plus gros que toi. Vous ne trouvez pas que j'ai fière allure? Ce ne serait pas... Le petit Beto, Albert. Je sais très bien qui c'est. Le petit-fils de Monsieur Albuquerque. Et l'ami de Cassiano et d'Esther. Viens, viens me faire un gros bisou. Viens, mon chico. Beto, excuse mon père, d'accord? Parfois, il est de mauvais poil. Non, pas la peine. Celui qui doit s'excuser, c'est moi. Il a parfaitement le droit de se méfier de moi. Je connais bien la façon dont mon grand-père traite ses employés à la mine. T'en fais pas, d'accord? Est-ce que cet énergumène va manger avec nous? Maintenant, le vieux têtu s'est transformé en gamin colérique. Il ne nous manquait plus que ça. Je ne peux pas l'encaisser, ce gamin. Ah, mon chico, pourquoi autant d'antipathie? Alberto n'est que le petit-fils de Monsieur Albuquerque. Il n'est absolument pas responsable des coups bas du grand-père avec ses employés de la mine. L'humidité est une chose que l'œil tente de cacher et que le cœur finit par montrer. Et écoute bien ce que je te dis. Tôt ou tard, cet Alberto nous montrera enfin son vrai visage. La méchanceté du grand-père est dans le sang du petit-fils. Madame Suarez, votre repas était délicieux. Je n'ai jamais oublié ça, vous savez. Personne ne cuisine comme vous dans le monde. Oh, mon chico, demande ce que tu veux et je te le passerai. Qu'est-ce qu'il y a encore, papa? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Suarez? Papa est devenu à moitié... Non, non, Thaïs, on a dit qu'on ne parlait pas de ça. Non, c'est bon. Il a dû s'en apercevoir, il n'est pas idiot. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Est-ce que tu veux savoir ce qui se passe, Beto? Demande-le à ton grand-père. Parce que moi et les autres employés, nous perdons peu à peu la vue. Vous me pardonnerez, M. Suarez, mais je n'ai pas ce genre de conversation avec mon grand-père. On ne fait que se disputer, il ne comprend pas. C'est même pire, il a décidé que ce serait moi qui dirigerais les affaires familiales. Attends, tu ne crois pas que tu as fait suffisamment la bringue, Beto? Tu veux être entier toute ta vie? Oui, Beto, accepte. Reviens ici. C'est vrai, travailler face à la mer, c'est mieux que d'être enfermé et prisonnier de la grande ville. C'est vrai. Ça m'étonnerait beaucoup que d'ici peu de temps, je le vois venir travailler à la mine. Et face à la mer. Ne fais pas attention, il est toujours un peu bourru. Mais il a raison. Tout est vrai, Madame Suarez. Très bien. Pendant que vous décidez si papa a raison ou non, je vais prendre une douche. On se revoit bientôt. Oui, c'est clair. Maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me ramène chez moi. Tu t'en occupes, mon amour? Bien sûr. Merci pour le repas, Madame Suarez. Mon bisou. À plus. Bon, je vais vous offrir un petit café avec de délicieux biscuits à l'orange. Ah, ça, c'est la cerise sur le gâteau, Madame Suarez. Voilà, mon cher Alberto Albuquerque, t'es arrivé. Tu entres un moment? Non, Alberto, il faut que j'aille balader quelques touristes en buggy. Je travaille, ça te dit quelque chose? Tu as toujours cette idée fausse à mon sujet. Je pensais que tu m'avais pardonné. Oublie tout ça, Beto. Esther, je n'y suis pas arrivée, je t'ai dit que je n'y arriverais pas. Ciao! Esther, et ce mariage, c'est pour quand?
Il faut que je sorte mon costume de garçon d'honneur? Cassiano n'a pas encore acheté la bague. Je crois que je vais devoir demander à mon père de faire l'anneau et je ferai moi-même la demande en mariage. La fille de Monsieur Schneider, un joyeux renommé, a déjà pensé à tout. Elle a tout résolu. Le plus important dans cette histoire, c'est que le prince des airs demande la princesse des mers en mariage. À Beto, il faut que j'y aille, là. Moi, je vais te surprendre, Esther. Tu as demandé à Esther de raccompagner ce type chez lui? Tu es cinglé? De laisser ta fiancée seule avec lui? Qu'est-ce que tu racontes? Alberto est mon meilleur ami d'enfance, on a grandi ensemble. Écoute, il est pratiquement de la famille. Ton frère, rien du tout. C'est le petit-fils de Dionisio Albuquerque. Esther! Esther! S'il te plaît, pars pas! Ah, Beto, c'est bon, arrête ça! Le bus m'amène à la remise de diplôme. N'y va pas, s'il te plaît. Reste là. Lâche-moi, Cassiano espère me voir là-bas. Reste avec moi. Qu'est-ce que tu as, Beto? Je suis amoureux de toi. Voilà ce que j'ai. Je suis amoureux de toi. Toi, tu as bu, c'est ça? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Je peux t'offrir une vie bien meilleure que lui, Esther. Tu as entendu ce que je ressens? Je suis fou amoureux de toi. Beto, 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 ne dis plus rien. Oublie tout ça. Je veux continuer à être ton ami. Hein? O que é o amor? Vai além da minha compreensão. Para uns é chave e para outros foi prisão. Será desapego ou possessão? Altruísmo em nós ou apenas auto-adoração? Alberto, où est-ce que tu étais enfin? Comment est-ce que tu as pu abandonner les invités C'est comme bon, ça? Pas de stress, grand-père. Pas de stress. J'ai une bonne surprise pour toi. Une excellente surprise. Assieds-toi, vas-y. S'il te plaît. C'est important. Ah. Bon, vas-y, Alberto, qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent? Un autre bateau? Un avion privé? Ou alors un penthouse à Rio de Janeiro? Tu peux préparer les papiers, je vais faire ce que tu m'as demandé. Tu ne me voulais pas ici à m'occuper de tes affaires? Eh bien... c'est bon, j'accepte. Tu n'arrives pas à le croire, grand-père. Eh bien, tu devrais. Tu peux le croire parce que maintenant, on va dire, j'ai une raison très spéciale pour rester vivre au bout du monde. Prépare les papiers pour me transférer les pouvoirs et ce soir, je vais fêter cette passation. J'aime les choses comme ça, grand-père. Avec du panache. Hey. J'aimerais savoir comment Beto a pu organiser une fête pareille en si peu de temps. Ah, pour lui, non, mon amour? Cassiano, dis-moi... Quoi? Est-ce que c'est son anniversaire? Beto n'a pas besoin de raison pour organiser de fête. Ça ressemble plutôt à un enterrement de célibataire, Amadeo. Lieutenant, vos manières, n'oubliez pas que nous sommes en uniforme de la force aérienne. Ouais. Bien reçu, lieutenant, bien reçu. Ouais. Tout ça a été tellement rapide aujourd'hui, Alberto, quand tu as accepté mon offre, que moi... Oui, moi, du coup, je me demande pour quelle raison tu en es arrivé à tout ceci. À un changement si... si radical, tellement soudain. On va dire que c'est une raison avec un nom et un prénom, grand-père. Mais peu importe. Oublions tout ça. Parlons de ce qui nous intéresse. Parlons de ton futur. Ça, ce sont les registres de tout ce que la compagnie a engrangé depuis 1940. Depuis 1940, grand-père? Quand je te disais que tu étais une force de la nature,
prospérer comme tu as prospéré en pleine Seconde Guerre mondiale, oui. Alors que le reste du monde explosait. Tout a été enregistré ici, Alberto, tout sur notre patrimoine. Par exemple, tout ce que j'ai obtenu avec les mines de tungstène. Les mines de sel, je vois aussi. Et puis tout particulièrement avec les exportations des fameux diamants. Ah, qui sont littéralement les joyaux de notre couronne. Mais ce que j'ai de plus précieux au monde, je le garde ici. Dans cette boîte. C'est quoi cette bague, grand-père? Elle appartenait à ta grand-mère. Je lui ai donné cette magnifique bague le jour où nous nous sommes mariés en Allemagne. Ma chère et tendre Helga. Elle a porté cette bague à son doigt, Alberto, et ça jusqu'au jour de sa mort. Prends-la. Maintenant, elle est à toi. Et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, grand-père? Un jour prochain, tu te choisiras une femme avec laquelle tu voudras te marier. Et c'est cette bague-là, Beto, que tu pourras lui glisser délicatement au doigt. Elle sera encore plus belle avec cette bague autour du doigt. Elle qui, Alberto ? Tu restes comme ça sans dire un seul mot, Samuel. Tu ne vas pas boire le thé que je t'ai préparé? Dans ce cas, je vais nettoyer la cuisine. Linda Roy, tu es certaine que la guerre est bien terminée? Bien sûr que oui, mon cher amour. Et ça fait longtemps. Ça fait partie du passé, Samuel. C'est terminé. Crois-moi, cette guerre est terminée. Bois ton thé, d'accord? Une seconde. Pardonnez-moi d'interrompre cette fête aussi animée, mais s'il vous plaît, approchez-vous. Mon grand-père, Dionisio Albuquerque, que je respecte, a quelque chose à vous annoncer. Pendant toute ma très longue existence, j'ai développé cette drôle d'habitude de partager les excellentes nouvelles avec ma famille et avec mes amis. C'est pour ça que c'est avec une immense joie, mes amis, que je vous annonce, non sans fierté, qu'à partir de ce soir, mon petit-fils, Alberto Albuquerque, a accepté de prendre mon poste à la tête des entreprises du groupe Albuquerque. Avec la certitude que son impeccable gestion le mènera vers d'autres succès. Alors, je lève mon verre au futur de mon talentueux petit-fils. Santé à tous. Prost! S'il vous plaît, moi aussi j'aimerais dire quelques mots parce que non seulement une nouvelle étape de ma vie a commencé ce soir, mais également dans la vie d'un couple que tout le monde ici connaît bien, j'en suis certain. Esther et Cassiano, s'il vous plaît, rejoignez-moi. S'il vous plaît. Montez. Je veux annoncer devant tout ce parterre de témoins que ce soir chez moi, vous ne serez plus un simple couple. Parce que ce soir, vous devenez officiellement des fiancés. Cassiano, mon meilleur ami, mon frère de cœur, va demander en mariage sa chère et tendre Esther. Attends. Écoute, est-ce que c'est une blague ou quoi, Alberto? Pas du tout, mon pote. Fais ta demande, allez. Beto, je n'ai pas acheté de bague pour ça. Si ça ne tient qu'à ça.
c'est l'alliance de ma grand-mère pour son mariage. Et mon cadeau de fiançailles pour vous deux. Esther, mon amour. Tous tes sourires m'illuminent. Toutes tes phrases me donnent de la force. Ton corps m'apporte tant de chaleur. Ton bonheur me rend tellement heureux, mon amour. Je t'aime. Oui, je t'aime tellement. Est-ce que tu veux m'épouser ? Oui. Oui, mille fois oui. Alberto, c'est comme ça que tu comptes administrer les biens de notre famille ? En donnant la bague de mariage de ta chère grand-mère à une moins que rien comme cette fille. Fais-moi confiance, grand-père. Un grand administrateur est un homme qui agit sachant pertinemment où il va. La bague reviendra vite dans la famille. Ces fiançailles auxquelles tu viens d'assister ne dureront pas. Parce que cette fille sera à moi. Elle reviendra très vite vers moi, grand-père. Avec la bague et le reste. Yes, boy. Alberto, tu n'avais absolument pas le droit de donner la bague de mariage de ta grand-mère à cette... Ah, elle est vraiment magnifique, cette bague. Peut-être un peu trop, voyons. Vraiment belle. Excusez-moi. Mademoiselle, vous êtes accompagnée ? Oui, vous arrivez trop tard. Je crois que j'arrive juste à temps pour enlever la fiancée. Tu fais quoi ? On saute. Non, Cassiano. On peut savoir depuis quand est-ce qu'elle te plaît, cette fille ? Depuis toujours, grand-père. C'est à cause d'Esther que je ne me suis jamais impliqué sérieusement avec une femme. Ce que vous êtes difficile à cerner, vous les jeunes d'aujourd'hui. Si vraiment c'était ton intention, dans ce cas, pourquoi avoir organisé cette mascarade de fiançailles ici à la maison ? Ne t'inquiète pas, parce que plus vite que tu ne l'imagines, je vais mettre un terme à cette mascarade entre eux, comme tu l'appelles. Tu es tellement belle. Je t'aime. C'est comme ça. Je t'aime un tout petit peu comme ça. Regarde, un tout petit peu comme ça. Pas grand-chose. Moi aussi, hein? Je t'aime juste un peu, presque rien. Tu es heureux? Beaucoup. Comme jamais. Tu sais pourquoi? Parce que je vais me marier avec la femme que j'aime. Et mon meilleur ami d'enfance, en voyant que j'étais fou amoureux, a mis au point tout un stratagème pour que je te demande en mariage. En m'offrant ce qui me manquait, cette belle bague. Mon amour, tu n'avais pas besoin d'attendre cette bague pour faire ta demande. Je sais. Mais j'ai toujours rêvé, oui, toujours, de t'offrir le bijou que tu méritais, Esther. Cassiano, tu sais très bien que les choses chères ne m'intéressent pas. Mais cette bague est géniale. Oui. Elle doit valoir une véritable fortune. Et alors ? J'aurais quand même préféré une bague plus simple et faite par mon père. Et puis surtout, choisis par toi, par toi. Votre déjeuner est prêt, ma chère madame.
Nous sommes vraiment le couple parfait. L'un pêche et l'autre cuisine. Oh, non, Cassiano. Du champagne sur le poisson, j'ai jamais vu ça. C'est ma version d'une recette de poisson que j'ai mangée en Haïti. Ou aux Bahamas, je ne sais plus. C'était une mission dans l'un des pays des Caraïbes. C'était un poisson au vin. Un truc classe, qu'on appelle d'ailleurs le poisson éméché. Ah, je rêve de connaître les Caraïbes. Moi aussi. Je ne les connais pas bien, mais j'y suis allé pour le travail. Maintenant, j'aimerais me plonger avec toi dans cette mer. Oh. D'ailleurs, ça pourrait être génial si on faisait notre lune de miel là-bas. Oui, oui, Raphaël. Je viens juste de passer les rênes de ma compagnie à mon petit-fils Alberto. Alberto, mon petit-fils. Oui. C'est avec lui que vous devez négocier à partir de maintenant. Non, non, bien sûr que non. Non, je n'ai pas oublié la livraison de diamants. Bientôt, bientôt, vous recevrez ce que vous avez commandé. Et... Bonjour, permettez-moi de me présenter, je suis Alberto Albuquerque. À partir de maintenant, c'est avec moi que vous allez traiter. Est-ce que c'est clair? Plus doucement. C'est incroyable, cette amitié que vous entretenez avec mon grand-père. Vous devez savoir que les Albuquerque ne manquent jamais à leurs obligations. Puisque mon grand-père a signé la vente des diamants, je vais honorer la transaction. Passez une bonne journée. Fais attention, Alberto. Personne ne parle de cette manière à Raphaël. C'est qui, ce monsieur? C'est notre associé le plus proche aux Caraïbes. C'est notre... intermédiaire, VIP, oui, c'est le terme le plus approprié pour parler de lui. Enfin, c'est un gangster international, tu veux dire? Nomme-le comme tu voudras. Le fait est que nous dépendons du bon vouloir de Raphaël pour faciliter le transfert de nos pierres à travers le monde. C'est Raphaël qui fait la distribution de toutes les pierres. Par exemple, les diamants qui viennent de Chine, ceux des pays arabes et aussi ceux d'Europe. Principalement vers la ville d'Anvers et aussi là-bas en Hollande. Attends, ça veut dire quoi? Tu n'as pas les diamants que tu devais lui envoyer, c'est ça, grand-père? Bien sûr que je les ai. Je ne les lui aurais pas promis si je ne les avais pas eus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été livrés. Parce que notre homme de confiance qui devait sortir les pierres du Brésil et les remettre à Raphaël est en prison. Il s'est fourré dans une sale histoire. Appelle-le, grand-père. Appelle-le et dis-lui qu'il va recevoir les diamants avant la fin de la semaine. Attention, Alberto. Règle numéro un, ne jamais mentir à Raphaël. Parce que ce type est capable des pires atrocités, si jamais il s'aperçoit qu'on lui a menti. Appelle-le, grand-père. Allô? Oui. Une petite seconde. Chris, c'est un sard. Oui? Qui désire parler à mon mari? Oui. Crystal, c'est pour ton père, du Brésil. Je m'en charge. Je m'en charge, Amparo. Ah, cette gamine, alors. Papa? Faites-le sortir d'ici. Vous savez ce que vous avez à faire de lui. Ma petite princesse, viens vite embrasser ton papa. Un appel du Brésil, pour toi. C'est Monsieur Albuquerque. Ah. Ma chérie, amène-moi un jus d'orange. Hein. Oui, s'il te plaît. Vous n'allez pas m'inventer une autre excuse. J'ai déjà déposé l'argent sur votre compte.
Alors faites-moi parvenir les diamants ou je vais là-bas pour régler cette affaire personnellement. Ce n'est pas mon grand-père, c'est à moi que vous parlez, Raphaël, avec Alberto Albuquerque. Je vous appelle simplement pour vous dire que je vais vous livrer votre commande à la fin de la semaine. Mais le ton que vous avez pris à l'instant m'étonne quelque peu. Qu'est-ce que vous appelez régler cette affaire personnellement? C'est une menace? Demandez-le à votre grand-père, jeune effronté. Il connaît très bien la façon dont je règle mes comptes avec les gens qui ne respectent pas un accord passé avec moi. Je veux juste mes diamants. J'ai déjà payé pour les avoir. Et ne commettez pas l'erreur de m'envoyer des pierres de moindre valeur, compris? Tu ne voulais pas savoir comment j'allais payer les saliculteurs? Eh bien, c'est avec l'argent de ces diamants que je prétends réparer une injustice en payant ton père et tous les autres. C'est avec cet argent, Beto. Mm-hmm. Dans ce cas, je ne réfléchis pas. J'y vais. Son entreprise exporte des diamants et n'a personne sous la main pour le faire? Pourquoi est-ce que ça doit être toi? Oh, mon amour. Il vient de prendre les rênes du groupe. Et du coup, il n'a personne de confiance pour faire ce travail. Oh, moi j'ai un mauvais pressentiment avec ça. Sans du verre qui fait chauver son dame.